Chers amis, bonjour, bienvenue pour ce match. Je suis avec un drôle de personnage qui vient de s'asseoir à côté de moi. Votre nom est Pierre, c'est ça? Oui, bonjour Hervé, bonjour et bienvenue à tous. Quand l'Atlético rencontre le Barça, généralement, on a des matchs un petit peu électriques, hein, légèrement. Hein. Oui, en général, quand il y a l'Atlético, c'est toujours un petit peu électrique. C'est simple, hein. C'est difficile à un classement. Hein. Quand le deuxième rencontre le troisième, on peut s'attendre à quelque chose d'à peu près intéressant. Pour cette rencontre, nous retrouvons le FC Barcelone face à l'Atlético Madrid. Soit la meilleure attaque face à la meilleure défense. Bon, tu sais ce que je pense des stats, hein. Ça vaut ce que ça vaut parfois, mais j'attends de voir le résultat sur le terrain. La composition du Barça qui s'affiche à l'écran. Alors que le réalisateur vous propose la composition de l'Atlético Madrid. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. La rencontre du jour va se disputer dans ce stade qu'on qualifie de belle arène. Déjà, il n'y a pas un poteau pour nous gâcher la vue. L'Atlético Madrid qui a eu un parcours incroyable en C1 en 2016, qui a éliminé successivement le Barça et le Bayern avant d'échouer en finale face au Real. Ouais, étonnant d'éliminer quasiment les deux meilleures équipes d'Europe en ayant 25% de possession de balles, mais ça c'est le style Simeone. Attention, il a du champ devant lui. Andrés Iniesta. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Messi. Ivan Rakitic. Sergio Busquets. Les Blaugrana qui ont le ballon. Busquets. Sergio avec un tir. Il repousse le tir. Ivan Rakitic. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Oui, ils sont plusieurs. Ça peut aller au bout. Sergio Busquets. Messi qui prend sa chance. Et le but, l'ouverture du score dans ce match. 1-0. C'est le capitaine qui montre l'exemple sur ce but. Belle action, bonne lecture du jeu. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Gabi. Saoul. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Les 30 derniers mètres. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Et l'attaque va s'arrêter là. La bonne passe dans l'espace. Jordi Alba va pouvoir relancer maintenant, très propre, hein, son intervention. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Eh bien, l'intervention, changement de possession. Ivan Rakitic, ils construisent, ils font tourner.
touche, ce sera pour le Barça. Attention, ça peut être dangereux. L'adversaire qui hérite de ce ballon. Andrés Iniesta. Kevin Gamero. Thiago. Stefan Savic. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Messi. Lionel Messi qui appartient déjà à l'histoire du jeu. Hein. Le premier joueur de l'histoire à avoir remporté 5 ballons d'or, hein, quand même. Capable de faire la différence à tout moment et surtout à tous les matchs. C'est un génie. Ouais, le 1-2. On s'approche de la zone de vérité. Un ballon récupéré en pleine surface. Il lui donne en profondeur. Ouais, bon tacle, hein, il lui a pris le ballon. Andrés Iniesta. Messi. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Et ils vont faire sortir la défense, hein, c'est clair. Et Neymar la frappe. Ah, ça ne passe pas. Ouais, bien taclé, le ballon qui... Ouais, la frappe. Non, c'est contré. Et voilà, déjà 45 minutes de jouer dans ce match. Un petit but, simplement 1-0. Une première période où l'équipe la plus entreprenante, la plus joueuse, mène. C'est logique. Match qui reprend avec toujours cet avantage pour l'équipe du Barça. Jordi Alba. Busquets. Antoine Griezmann. Ouais, bonne interception. Jordi Alba. Luis Suarez. L'arbitre a laissé jouer. Avantage pour le Barça. Il décale pour Luis Suarez. Un bon ballon récupéré par les matelassiers de l'Atlético. Gabi. Là, il récupère un nombre incalculable de ballons. Oh, l'arrêt. Oh, quel plongeon superbe. Ça sort en corner pour le Barça. Le gardien qui boxe de ce ballon. Et ce ballon qui est perdu. Gabi. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Le tir. Et le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Le ballon est sorti. Corner pour l'Atlético Madrid. Il dégage avec autorité, mais c'est bien défendu. Il la joue un petit peu comme on rend, on fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. La chevauchée de Neymar. Allez, il faut qu'il lève la tête parce qu'il y a du soutien. Sont en train de poser leur jeu patiemment. Il tacle. Ça n'ira pas plus loin. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Pereira Carrasco.
Il donne son ballon. Ah, le bon tacle, ce sera une touche. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Attention, le centre, le dégagement du point du gardien. Oui, il l'a trouvé. Il est dépossédé du ballon. Allez, peut-être le but. Et le but. Et le but, il recolle au score. On avait quand même l'impression que cette équipe était complètement dominée. Et bien la voilà, qui a su sortir la tête de l'eau. Absolument, ils courent après la balle la plupart du temps. Ils ont du mal à ressortir les ballons. Mais sur cette action, ils ont joué le coup à fond. Et voilà donc à égalité, un but partout. Et bien l'intervention, changement de possession. Fran. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Ah, ce serait une touche après ce tacle impeccable. Pereira Carrasco. Neymar. Jordi Alba. Allez, peut-être une bonne occasion. Oh, ça peut. Ah oui, le but. Il passe devant, juste avant la fin. On le sait, avec le Barça, le danger peut venir de partout, à tout moment. J'ai toujours des ressources pour mener ce genre d'action au bout, même en fin de match. C'est souvent comme ça qu'il faut. Atlético Madrid se retrouve au mené. Augusto Fernandez. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Mais bon, tac, il lui a pris le ballon. Oh, qu'il est important, ce ballon. Oh, qu'il est important. Ouais, le public qui pousse, là, dans ces dernières minutes. Il peut y avoir le feu, hein. Ivan Rakitic. Jordi Alba. Andrés Iniesta. 2 minutes de plus, au minimum. C'est ce qu'indique le quatrième arbitre. Lionel Messi. Messi. Léo Messi. L'arbitre qui siffle à l'instant la fin du match. Victoire du FC Barcelone donc. La rencontre qui prend fin avec cette victoire. Alors on se demandait avant le match ce que donnerait cette confrontation entre une défense très solide cette saison et l'une des toutes meilleures attaques du championnat. Et bien on a la réponse, Pierre. La défense a fini par céder par deux fois sur les assauts. C'est pas attaquant particulièrement inspiré aujourd'hui. On se demandait comment se terminerait cette rencontre qui opposait la meilleure attaque du championnat à la meilleure défense. Ah, il faut croire que jouer à la maison les a aidés et ils vont s'imposer.